Donc, messieurs, dames, vous l'avez compris, Anna est une artiste. Moi, je vais être là pour vous accompagner cet après-midi. On va avoir ensemble un moment qu'on va essayer d'articuler en deux temps. Une première période, là, au départ, où je vais vous présenter le sujet. Après, on fera une petite pause, comme je sais qu'il y en a qui ont besoin d'aller fumer régulièrement et tout. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment être détendu. On va essayer de ne pas faire ça dans la douleur. Tu as des marches d'escalier. Oui, hein, c'est que je suis étudiant et mon but c'est d'arriver là. Bravo. Et puis on reprendra après sous une forme un petit peu plus ludique encore. Donc, le principe va être de créer une œuvre tous ensemble. Donc je sais, j'ai entendu, j'ai eu le plaisir de déjeuner avec vous, je sais qu'il y a certains traumatismes qui traînent avec des dossiers en interne. Alors, nous ça fait 20 ans de la fête. Alors nous on va faire un tableau. Ça fait 20 ans qu'on accompagne des publics divers et variés dans la création. Anna est une artiste dont la démarche artistique est vraiment de faire participer le public. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un séminaire, c'est un teaming, etc. Mais Anna, c'est vraiment sa démarche. Elle crée des œuvres en direct avec des gens. Et donc aujourd'hui, elle va vous demander de participer pour qu'elle puisse créer. Donc on a mis au point un protocole qui est très très simple, accessible à tout le monde et qui est basé exclusivement sur le découpage. Comme ça, on ne se tâche pas, c'est convivial, vous pouvez vous répartir de partout dans l'espace, on n'a pas de risque de salir, et c'est beaucoup plus simple pour réaliser des formes et des idées que je vais vous demander. Donc vous avez de partout des adhésifs, des ciseaux, vous pourrez vous répartir comme vous voulez. Il faut vraiment que cette pièce soit un espace convivial et vous pouvez choisir vos couleurs, vous pouvez découper des formes assez grandes. L'idée c'est de partager le matériel, de partager l'espace ici et de partager le support. Le support qui va être le support transparent. Donc on va vous demander de coller sur cette surface transparente toutes les idées que vous allez avoir à représenter. Et donc la première partie de cet après-midi va consister à réfléchir un petit peu ensemble à la question de la vie étudiante, comme c'est votre métier, mais sous une forme ludique, puisque avec des ciseaux et des papiers, qu'est-ce qu'on peut représenter de la vie étudiante ? Non, pas du tout, c'est des poteaux de rugby, mais je vais mettre le ballon, mais d'abord j'arrive pas à lever le truc. Ah, la barre transversale est peut-être un peu haute, non ? Ah, hein ? Ah, peut-être dû couper un peu les pieds. Les premières lignes, ça va le terrain d'assaut. C'est juste un problème. Ah ouais, c'est je pour ça. Je le sens au milieu, là. J'avais pas compris. Ça, c'est quand même créatif. Hein. Ça veut pas dire, tout ah bah là, c'est tout comprend mieux. Jeunesse, ah bah là, on comprend mieux. C'est tout comme un jeunesse, ça. C'est des motifs. C'est joli. Je me permets. Vous les prenez, en fait. Elles sont belles, pour moi. Qu'est-ce que c'est? C'est une cuillère? Oui. Mais avec quoi? Une tasse. Ah, c'est une tasse, ok. Ah oui, ça y est, ok. Non, mais parce qu'il manque la queue. Tiens, c'est pas qu'on voit, j'ai vu une queue. Il manque la queue de la tasse. Ah, franchement, oh, le... Vous avez fait les cordes de la guitare ? Vas-y, c'est bon. J'en reviens pas. Ah, mais ça, c'est... J'en reviens pas. Ça y est, j'ai pas de... Ça va être une belle bicyclette. Ouais, hein, j'ai mal évalué l'écart des roues. Ah, l'écart des roues. Alors non, mais est-ce qu'il faut peut-être incliner un petit peu si c'est le bras comme arrière ça, là. Non, de l'autre côté. Comme ça. Ouais, une bicyclette, ouais, c'est un trapèze en fait. Ouais, exact. Est-ce que je peux vous emprunter un de vos pinceaux? Hop. Non, c'est pas possible. Et je peux pas avoir un collant noir, un truc noir comme ça? Non, c'est pas possible non plus. Oh. Et puis elle est ferme. Hein. Ouais, mais je vois bien, ouais. J'y arrive pas. Vous voulez un coup de main? Si t'avais des ongles, parce que là, franchement, je m'en sors pas. On va s'arrêter là. C'est une basse. C'est pas une basse ou il y a moins de corde? Je
sais pas ce que ça donne vu de l'intérieur. Là, on dirait les moustaches d'un chat. Je crois qu'elle a des petites filles, là. Attends, mais ça marche, là, si vous voulez. Donc, une sacrée technique, hein. Ah là, c'est magnifique. Moi, j'ai l'heure de jeu, quelques langues. Vous êtes la graphiste du groupe, non? C'est quoi votre petit? Ah, j'ai deux enfants. Ah, vous avez deux enfants, ok. Ah, ouais. Et vous faites du collège? Deux ans, six ans. Voilà. Alors, ma bicyclette. Ça y est, ça progresse, elle progresse. Ah bon, ça progresse. Ah, elle progresse. Tu commences par l'extérieur à droite. C'est une télévision des années 70, non? Conceptuel. L'idée, je vais faire une souris. Quand je vais faire des souris, j'ai des oreilles de Mickey. Des oreilles de Mickey, c'est une souris. Ouais, mais des fois, ouais, les je suis pas facile. Mais si, je suis un escargot, une tourbillette. Non, c'est parce que les roues, on a l'impression oui. qu'elles sont dans le sol. Je fais de la récupération. Je fais de la récupération. C'est très bien. Il y a un banc de tourbillette. Et là, c'est le joint, mais j'entends une petite volute de fumée. Je suis pas grand trouvé. Mais attends, je vais faire des petits trucs. Hein. Bon, on précise que le thème, c'est la vie étudiante. Hein. Mais il y a des cœurs à côté quand même. Hein. C'est... Hein? Finalement, c'est ça l'amour. Exactement. Ça, ça vous parle ou pas? Ouais, je suis un peu lente. Non. Elle dit que c'est parce qu'elle a des enfants. Moi, je crois même qu'elle a des jouets. Non, mais je crois aussi. On a des enfants, mais... Les gosses, ça marche pas. J'aimerais bien vous compléter la voiture de votre collègue. Ouais, il fallait pas. Avec des petits trous. Bah si, c'est bien, c'est exactement l'idée. C'est ça la cohésion, regardez. Ouais, moi je... Faites des petits trous. Bah, moi j'ai envie de l'auto. J'ai senti qu'elle avait pas envie, par contre. Ah mince! Non mais elle, de les faire. Ah, parce que ouais. les petits trous, c'est. C'est chiant. C'est chiant. Vous n'allez pas le dire comme ça, mais c'est chiant. Alors, c'était dommage de ne pas les décoller. Ah, vous êtes un vrai bon commerçant. Non, vous connaissez, c'est ça de la gueule. Et... Même moi, j'ose pas la faire. Et vous, votre poste, c'est quoi alors? Est-ce que vous aimez bien compléter les petits dents, aller chercher le petit détail que les autres ont laissé de côté et tout, c'est bien? Là, elle manquait la cheminée, par exemple. Bah, autant que les roues. Moi, en tous les cas, ça me manquait. Voilà, une maison ça fait une maison vachement plus chaleureuse quand il y a une cheminée. Mais hey, je vous ai à l'œil, hein. Je vous écoute. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est la question. Je cherche. L'avenir, je vais découvrir. Je vois un véhicule. Hein, c'est la chaîne de transmission, ça. C'est un vélo, c'est une moto. Un vélo, ce qu'on veut. C'est la chaîne de transmission avec la selle, le câble. Ah, ok. J'avais un doute. On va se mettre sur.
de se mettre où vous pouvez, mais après je vais couper. Et là, je pense que vous avez besoin de le voir à plat. Première vision. Alors, ne bougez pas. Je respire quand même, mais oui, il y a un peu plus d'air là. On se croit à la mais généralement, un mariage, c'est l'acte de cuisine. Plus les témoins. C'est vous, la cohésion, ça va, non, ça va juste se passer quand même.